Bonjour Jean, bonjour Blanche, bonjour, bonjour Blanche. Oui. Allez, je recommence. Bonjour Jean et bonjour Laetitia. Bonjour. Bonjour. Voilà Jean, je te présente Laetitia, donc qui va travailler pour ta maman, hein, Blanche. Voilà. Chanté. Parfait, merci. Et donc, nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels elle veut travailler. Nous t'écoutons. Parfait. Alors, au niveau de santé, donc, elle a eu une énorme quantité de soucis de santé à partir d'environ 95. Vraiment, c'était un cas de manuel pour les hôpitaux. On avait trouvé à un certain moment avec un thérapeute qu'il y avait des causes ésotériques là-dessus. Donc voilà, c'est une question que je pose. En tout cas, la plus grande partie de ces problèmes appartiennent au passé, mais ils ont été vraiment très, très nombreux. Après, il y a 15 ans à peu près, on lui a diagnostiqué une tumeur au pancréas, que normalement ça expédite assez vite, mais dans son cas, ben, ce n'est pas son cas à elle, parce que c'est petit, parce que c'est stable, parce que c'est un bon endroit. Elle l'a peut-être depuis la naissance, néanmoins, elle fait des contrôles tous les ans depuis 15 ans pour s'assurer que ça ne détériore pas. Voilà, donc le tumeur au pancréas. Après, en début d'année Donc, 2023, la tumeur a disparu ou elle est encore là? non, elle est toujours là, elle est peut-être là depuis la naissance, on ne sait pas, les médecins ne savent pas. En soi, ça ne provoque rien, néanmoins, étant une tumeur au pancréas, que si ça se développe, ça fait partir assez vite. Voilà, je voudrais qu'on le regarde aussi. D'accord, ok. Bien. Ensuite. Ensuite, entre janvier, en début d'année 2023, elle s'est d'abord fracturée la clavicule. Elle est tombée sans raison dans le séjour. Elle s'est pris les pieds dans les tapis. Elle a cogné contre un meuble. Donc, elle s'est fracturée la clavicule. Bon, rien de particulier. Et après, en mars 2023, elle s'est fracturée d'une façon très, très méchante la cheville. Elle a eu de la chirurgie. Et puis, pendant 7 mois, la cicatrice de cette intervention chirurgicale ne disparaissait pas. Donc, ça n'arrivait pas à cicatriser. Ça durait vraiment plus de 6 mois. Elle a même vu des spécialistes en cicatrices. J'ai découvert que ça existe. Alors, maintenant, ça va beaucoup mieux. Elle va garder une plaque en métal, en titane, probablement pour le reste de sa vie, dans sa cheville, dans le cou de son pied, tout ça. Donc, ça ne lui facilite pas la vie pour marcher en termes de flexibilité, d'équilibre. Et aussi, son corps doit compenser un peu de l'autre côté. Donc, voilà, je voudrais voir ce qu'on puisse faire. Et s'il y a aussi des causes ésotériques à cette, voire la fracture, voire aussi le long délai de cicatrisation. Et qu'elle D'accord. puisse récupérer un maximum. Alors là, elle va beaucoup mieux. Hein. Elle a repris, elle est plus positive. Elle va un peu à la gym faire des exercices. Donc, dans l'ensemble, elle va plutôt bien. Voilà. Mais néanmoins, voilà, elle a ça. Elle a en général un peu un manque d'énergie et surtout de positivité. Et j'y reviendrai après dans la deuxième partie. Elle a perdu aussi beaucoup, beaucoup de cheveux depuis, je ne sais pas, 5 ans, 7 ans. Au point qu'elle doit mettre une perruque parce qu'elle a vraiment très très peu de cheveux, ce qui est gênant pour elle, évidemment. Voilà, donc ça c'est un peu au niveau physique. Bien compris, ce sont les autres questions hors santé à présent. Tout à fait. Alors elle se focalise beaucoup sur ce qui est négatif, c'est-à-dire s'il y a quelqu'un de plus ou moins proche qui a des soucis, des problèmes, c'est comme si elle le prenait sur elle, comment on dit en français, elle mâche ses pensées autour de ça. Et Rumine. elle le rumine, voilà. Rumine. Elle le rumine. Elle le rumine, bah, c'est un peu comme mâcher, effectivement. Elle le rumine autour de ça. Donc, si le fils de sa sœur, elle a des soucis de famille, même si beaucoup moins graves que ceux que j'avais moi, elle est là en train de dire le pauvre et tout ça. Donc, voilà, elle s'approprie de ça. Après, et ça, je l'ai remarqué, elle se focalise sur la violence aux femmes, c'est-à-dire s'il y a des faits divers, de viol dans la réalité ou dans des films et tout, c'est quelque chose qui l'atteigne, qui Ça l'atteint, comme touche, on dit. d'accord. Ça la Ça touche beaucoup, ça. Oui. Et justement, des thérapeutes avaient trouvé qu'elle avait du Je karmique ou pas, du on ne veut pas transgénérique. savoir. Hein. Je veux pas savoir ce Voilà. que disent d'autres thérapeutes. Hein. Voilà. Donc, en général, en santé, elle va bien, mais elle prend de temps en temps des médicaments assez lourds.
Donc, elle prend des médicaments, oui, et alors? Oui, elle a de l'anxiété. Et sûrement, c'est lié à ce fait qu'elle absorbe tous les problèmes, le négatif, qu'elle le rumine et tout, ça lui donne de l'anxiété. Donc, elle prend des médicaments, pas régulièrement, mais de temps en temps, assez fort pour ça. Après, vérifiez aussi, je pense, au niveau des liens toxiques, ce que vous faites déjà normalement, Oui. mais avec son mari, avec sa belle-fille, c'est-à-dire ma future ex-femme, avec ses petits-enfants, le reste de sa famille, voilà. Au niveau des liens toxiques. Et la dernière chose, oui, bon, comme caractère, elle est peut-être moins, mais elle est pas mal un peu dans la critique des autres, un peu jalouse. Je pense qu'à la base, c'est un peu de jalousie et que ça l'amène à la critiquer. Voilà. Donc ta maman critique les autres, c'est ça que tu as dit, hein? Elle est un peu dans la critique, oui. Si quelqu'un D'accord. qu'elle connaît, même de la famille, fait quelque chose, je ne sais pas, elle a une tante très âgée, un EHPAD, elle est très dévouée à elle, elle va le voir 2, 3 jours par semaine, mais après, elle passe son temps au téléphone à me raconter les bêtises qu'elle fait, qu'elle ne comprend pas, qu'elle n'entend pas. Bon, je trouve ça vraiment, personnellement, moi, qu'est-ce que tu veux faire? Elle a 92 ans. Mais elle s'accroche un peu à ces choses-là qui l'irritent. Bon. OK. Voilà. Et après, au niveau de désincarner, je connais le protocole mieux que toi maintenant. Oui, alors on t'écoute pour désincarner alors. Alors, la mère de sa mère, donc la grand-mère maternelle, qui s'appelait Carolina. Donc sa grand-mère maternelle, hein. Ouais. Grand-mère maternelle. Évite les prénoms, là on va le laisser, mais hein. D'accord. Alors, l'autre, ok, son prénom, c'est le grand-père paternelle de sa mère. Oula, le grand-père paternel Oui, de sa de mère. sa mère. Oui, elle était. Si je dis le nom, peut-être ça vous aide ou peut-être pas. En tout Bon, ben cas, voilà, vas-y, elle c'est était. pas parce qu'on y est, c'est pas grave, de toute façon. Carlo. Carlo, allez, Carlo. Carlo, voilà, elle était très liée à lui. Et pour finir, ben voilà, évidemment, comme je suis aussi moi beaucoup dans cette séance, s'il y avait des messages aussi pour moi de la part de ces deux désincarnés ou du soi supérieur de ma mère, je serais ravi. Voilà. Oui, d'accord. Après, pour les invités, alors on invite qui d'autre pour elle alors? Ben, toute sa famille, son mari, Alors, sa sœur, son beau-frère, son mari et sa sa famille. sœur, c'est Attends, toute sa famille, beau-frère. on procède par ordre. Hein. Son mari et sa famille, donc ses enfants et leur famille. Son enfant, je suis fils unique, avec Ah bon, d'accord. sa future ex-belle-fille, avec ses 3 petits-enfants, avec sa sœur, son beau-frère, sa belle-sœur, Oui, enfin sa sa famille, quoi. tante, voilà, toute sa Future famille, ex-belle-fille. toutes ses, Et sa famille, bien sûr. OK. tous ses amis. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'animaux de ce côté-là, mais s'il y en avait quelque part que j'en oublie, A des frères voilà. et sœurs? Est-ce qu'elle a des frères et sœurs? Oui, justement, elle a une sœur, donc sa sœur et son mari à elle. Et après, c'est la femme du frère de son mari, donc Bon, s'appelle on va dire sa sœur et sa famille, et puis la famille en général, parce qu'après ça va être trop. Hein? voilà. Et je rajouterai aussi ma belle-famille quelque part, parce que avec tout Ouais? ce qui se passe, je pense qu'il y est pour quelque Eh chose. bien, Et c'est-à-dire que après, bien sûr. tu l'as invité, puisque tu parlais de sa future ex-belle-fille et sa famille. Voilà, alors s'il y avait aussi sa Hein? famille, Donc ça elle est va, incluse dedans. parfait. D'accord. Parfait. Et après ses amis, ses connaissances, un peu partout dans le monde, ils ont beaucoup vécu à Ah, l'étranger, ils ont connaissance. Bon, voyagé, voilà. OK, allez. Voilà. Et les animaux de tout le monde, s'il y en a. Bon. Voilà. Bien. Eh bien, écoute, je laisse couper le son et on part pour l'aventure. C'est. Alors, à présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. Je te laisse augmenter. Quarante et un mille. À 41 000, tu es largement en sécurité au-dessus de la situation. Oui. Parfait. Continue-toi à moi, dis-moi comment tu me vois. 380. Ok, et je m'aligne sur toi, bien sûr. Oui, c'est bon. Je te laisse te connecter sur Blanche, dis-moi comment tu l'aperçois.
Alors, j'ai une sorte de rayon sous forme de disque qui la transperce au niveau de l'épaule, on va dire comme ça. C'est un disque et qui la transperce dans tout son corps, mais ça prend la partie épaule. Alors, je ne sais pas, en diagonale, ouais, ça prend. Ah oui, un peu le plexus qui est pris. Je regarde jusqu'où ça sort, jusqu'à la hanche droite, je dirais. Alors attends, je Donc regarde. c'est l'épaule gauche, hanche droite alors. Attends, je regarde parce qu'en fait, je la voyais de dos. Ouais. Donc quand je la vois de dos, non, en fait, c'est l'inverse. C'est au niveau droite jusqu'à la hanche gauche, pardon. Ok, je fais le tour. Hein. Et c'est comme j'étais en face d'elle, je faisais le miroir. Donc c'est le côté droit. Hanche Ok. gauche, d'accord. Ok. Alors, Qu'est-ce que ça les cause, ton problème, ça? j'ai le terme séparation et dissonance. Donc, il y a une dissonance au niveau de ces corps subtils, c'est-à-dire au niveau de la communication entre ces corps subtils, déjà. C'est-à-dire que c'est comme si ça séparait aussi les corps subtils, on va dire, supérieurs. Et ceux qui sont inférieurs, c'est-à-dire ceux qui sont au plus proche de la physicalité. Donc, il y a une séparation, on va dire, au niveau émotionnel, mental, avec les corps supérieurs, donc christiques, etc. C'est-à-dire que ça, dissonant, parce qu'au niveau des fréquences, c'est très strident. C'est-à-dire que je me sens enserré de l'intérieur. J'ai même, ça peut comme si ça me renfermait, ça me tirait même au niveau de l'auditif, au niveau des oreilles, à l'intérieur de moi-même, comme ça. C'est très ça tord en fait toutes les énergies dans les corps subtils, ça les tord, et au niveau du corps physique, on ressent des tensions. Voilà, je cherchais ça. Donc anxiété et tension dans le corps physique. Donc, j'ai pas compris, qu'est-ce qui provoque ça? Tu peux redire? Alors, la même énergie. J'étais en train de définir D'accord, cette même celle qui la énergie. traverse en diagonale. Voilà, c'est que tu m'as Voilà. demandé exactement ce que ça procurait. Et ça dépendait en fait des corps subtils et dans D'accord. sa physicalité. Donc, j'ai détaillé. Ok. Même au niveau des. J'ai quelque chose au niveau des os, des ossements et je dirais dans les membres inférieurs. Alors, Ça les pas fragilise. les ossements, l'ossature. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. En fait, c'est comme je vois des parties, des morceaux d'os, pour ça que je dis aussi, D'accord. sont fragilisés en fait par rapport à cette énergie. Et c'est surtout la partie basse. Donc j'ai pu observer, c'est pas au niveau du fémur, mais juste en dessous, à partir du genou. Genou, tibia et tous les l'ossature. Des chevilles, hein, des deux chevilles. D'accord, C'est ok. toujours dû en fait à cette énergie-là qui est dissonante. Donc voilà. Dissonante, d'accord. Ouais, énergie. Regardais autre chose parce que je vois que ça qui la transperce. Et ça la désancre aussi. Les connexions tertiaires sont entrecoupées, je dirais. Ouais, entrecoupées. Non, c'est parce que j'ai perçu d'autres choses pendant les connexions entrecoupées. Mais ça, c'est tout à l'heure. Tout de suite. Oui. Alors, ben c'est tout. Hein. Je vois que ça en D'accord. termes de Il dispositif. n'y a pas de dispositif, c'est juste le rayon qui la traverse, qui la transperce, Ouais. qui crée tous ces désordres. C'est ça. D'accord. Peut-être au niveau, alors bah comme ça la transpasse au niveau de l'épaule et que je vois la boucle en fait de ce disque qui remonte, on va dire près de la tête, ça, comment dire, détourne les connexions, donc en tout cas extrasensorielles, ou ce qui est les canaux extrasensoriels, et aussi au niveau, c'est comme si je voyais qu'il y avait c'était brouillé en fait. Au niveau du système nerveux ou neuronal. Donc, Neuronal, d'accord.
qui en fait passe sur le côté en fait du crâne. Ça déstabilise en fait l'énergie naturelle, on va dire. Tu vois un système GPS quelque part? Alors, quand tu as dit ça, il y a quelque chose qui clignote au niveau du bas du dos. Alors, au niveau du bas du dos, mais je dirais dans sa. Oui, au milieu, en fait, vers le chakra sacré. D'accord. Dos vers le chakra sacré. Ouais. Ce n'est pas dedans le chakra sacré, mais c'est par là. Il y a une, comme une puce, quelque chose qui clignote. Donc, ça, c'est le GPS. D'accord. Ah. Et c'est cause quel problème, ça? Ça, c'est lié à des faiblesses. Ok, c'est lié à des mémoires antérieures. Ils l'ont placé là. Alors, ça lui cause des problèmes. Bah, ça, ce qui me vient, c'est au niveau des organes situés à ce niveau-là, ils sont désorganisés. Donc, ce qui me vient, c'est qu'il a parlé de. Donc, on appelle ça le pancréas. Oui. Je vois quelque chose là, c'est lié en fait. Le GPS, c'est le problème. Ah, d'accord. D'accord. Ok. Depuis. Ok. Et ça désorganise aussi d'autres. C'est au niveau surtout de la physicalité que ça va désorganiser les organes et les systèmes en fait, à ce niveau-là. Donc, c'est ce qui aurait provoqué cette tumeur au pancréas? Oui, exactement. Ça, c'est lié depuis le début de l'incarnation. Donc, depuis le début de l'incarnation, donc c'est depuis sa naissance qu'elle le porte alors. Oui, c'est ça. Cette tumeur, elle l'a depuis sa naissance. Enfin, c'était pas vraiment une tumeur, mais c'était quelque chose qui était là, sous-jacent, et qui se développait comme un nodule, tu vois. Au départ. Pas forcément, on va dire, bénin. D'accord, bon, on verra ça tout à l'heure. Tu vois autre chose si tu la scans encore? Cherche bien s'il n'y a pas des implants ou d'autres dispositifs, des choses. Au niveau de sa gorge, ça clignote aussi de la même manière. C'est comme des sortes de GPS pour la capter de loin. Tu sais, c'est comme les GPS qu'on surveille en surveillance. Ok. C'est comme Alain? Comment? C'est comme Alain? Alain de loin? Non, je rigole, c'est une blague. C'est comme Alain de loin. Je savais, les voitures, on mettait des GPS comme ça, mais c'est un peu simple. D'accord. Donc, c'est au niveau vraiment de. Qu'est-ce qu'il y a comme organe? Je crois que c'est la thyroïde. Thyroïde, voilà. Ouais. C'est à ce niveau-là que ça a été placé. Ça a créé des désordres sur la thyroïde? Oui. Ça a créé quel problème? Et puis, j'ai quelque chose aussi, je ne sais pas si c'est lié avec les cheveux. C'est-à-dire par rapport à la thyroïde. Enfin, quand j'ai vu le placement en fait, de cette puce, j'ai aussi observé tout de suite l'image des cheveux, qu'elle perdait ses cheveux. Donc, c'est lié, en fait. D'accord. Perte de cheveux. Ok. Bien. Alors, si tu la scales encore, tu vois d'autres choses? Alors, au niveau de ses yeux, au niveau des pupilles, c'est comme si on lui avait mis deux lasers comme ça. Voilà. Et alors, ça crée quoi comme problème? La vision de la réalité déformée, je dirais. Sa vision à elle, déformée en fait, de sa réalité 3D. Et puis sur la physicalité, ça touche le système aussi visuel. Visuel, mais aussi du troisième, c'est-à-dire ce que je disais, les canaux de perception également. Oui, ok. Voilà. C'est bon pour toi? Oui. Donc, on va regarder d'où vient ce rayon, ce disque. D'où est-ce qu'il vient alors? Elle est placée dans une salle, dans un vaisseau, on va dire. Dans les sous-bassements du vaisseau de Mantes. Il y a des Mantes qui sont présentes. Alors, j'en vois. Il y en a une qui est proche d'elle. C'est elle qui fait. Qui met en place les lasers et cette énergie-là. Faire séparer, c'est ça, séparer les corps subtils. Et ensuite, il y en a deux
Il y en a deux en hiérarchie et j'en perçois encore une aux commandes. Voilà. Donc ça fait une hiérarchie en fait chez elle. Ok. Bien. Donc la partie d'elle qui est placée dans ce vaisseau, c'est la partie subliminale. Oui, exact. Ok. Alors c'est quoi l'objectif de ces mantes alors? Il y a une sorte de séparation du corps subtil de l'être humain. Ouais. Donc, dans l'objectif de la séparation, c'est pouvoir en retirer les énergies supérieures plus facilement. C'est-à-dire qu'on va capter les énergies de la 3D, donc on va dire jusqu'au corps mental, si je peux dire ça comme ça, c'est lié directement. Et les énergies qui sont supérieures des corps subtils, ça sera pour en retirer certaines particules d'énergie plus facilement. Donc ce rayon la sépare en deux pour ça. Et c'est pour en faire quoi de cette énergie? Alors, ces énergies pour améliorer leur physicalité, si on peut dire ça comme ça, à elle. C'est quoi? D'accord. S'améliorer. Donc, c'est toujours des tests. Et ensuite, pour arriver à, comment dire, à la séparer et à la capter dans la 3D, c'est pour ça qu'ils mettent ce laser là pour déformer la réalité. Ce qui l'amène à des énergies de basse fréquence, ce laser-là dans les yeux. Ça la densifie dans des énergies de basse fréquence. En fait. D'accord, ok. Ce qui fait créer vraiment une séparation, je vois vraiment comme une sorte de vide entre les corps subtils et les corps inférieurs. Enfin, supérieurs et inférieurs. Voilà. Alors, on va regarder depuis quand est-ce qu'elles sont avec elle. La toute première fois, je compte à 3 et tu y vas cette première fois. 1, 2, 3. J'ai 6 incarnations. Je l'aperçois enfant. C'est comme si elle était orpheline et qu'elle est en train de vivre un deuil. Le deuil de ses parents qui sont morts et elle se retrouve seule. Alors, c'est une fille, enfant. D'accord. Et... Où est-ce qu'on est, c'est en Occident, c'est assez sombre, il fait un peu froid, je dirais, c'est tempéré le climat. J'ai pas le pays qui me vient tout de suite comme ça, c'est pas assez clair. C'est dans l'Europe en tout cas, le sud, je dirais en Méditerranée. On dirait que c'est sur une île, tiens d'ailleurs, ça y est. Île en Méditerranée, je sais pas. D'accord. Et tu vois à peu près du quel côté ? C'est proche de la Grèce. C'est pas la Grèce même tout en bas, mais plus vers le haut de la Grèce, sur une île, je sais pas. D'accord. Donc là, elle vit. Elle est à l'enterrement, là, ou elle vit simplement le deuil? Elle est à l'enterrement. Elle est face, en fait. Elle est dans un cimetière. Elle est. Comment dire? On voit qu'elle est assez pauvre. Et c'est-à-dire les vêtements sont un peu délabrés. Et elle se retrouve toute seule, en fait. Mais là, elle enterre ses deux parents en même temps ou c'est un des deux elle était déjà... Est-ce que déjà un des parents était parti ou c'est les deux en même temps, là? Et les deux en même temps, il y a des maladies qui ravagent. Ah, une maladie. Ok. Quel type de maladie? Ouais, je ne sais pas. C'est quand ils deviennent tout violets. Hein, je ne sais pas trop à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si c'est la typhoïde ou quelque chose comme ça. Ah oui. D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe pour elle alors ensuite, puisque on cherche le moment où ces entités l'ont contactée. Regarde de quelle manière ça se fait. Alors, elle a une dizaine d'années, on va dire entre 9 et 10 ans, et elle demande de l'aide parce qu'elle se retrouve toute seule en fait dans sa maison qui ressemble à une sorte de cabane en bois, on va dire quelque chose comme ça. Et il y a personne en fait qui vient l'aider et elle aperçoit en fait des sortes d'êtres, on va dire lumineux. Voilà, c'est comme ça qu'en fait il commence à l'appréhender. Elle est dans des énergies de tristesse, d'abandon. Elle se sent seule et elle a peur. Il y a beaucoup de peur et d'anxiété en fait. Et c'est comme ça en fait qu'elle elle voit ces êtres lumineux qui se sont fait passer. Hein, ce sont les mentes qui se sont fait passer par des êtres lumineux. Et qui lui propose de l'aide, elle donne son consentement. Et donc, en fait,
ils vont provoquer en fait des événements pour finir du coup cette vie-là, mais elle donne totalement son consentement dans tous les cas. À quel âge elle quitte son corps là? Alors, assez jeune finalement, parce qu'elle est quand même toute seule, je dirais, elle a 25 ans, quelque chose comme ça. Et elle meurt de quoi là? De faim, de misère, meurt de faim. Je sais pas, quelque chose comme ça. Je la vois pas en très bonne santé en tout cas, en très mauvaise santé. D'accord, ok. Donc, qu'est-ce qui se passe pour elle après? Donc elle se désincarne, elle demande le salut entre guillemets, et là elle revoit donc les êtres qu'elle a vus ces dernières années se présenter à elle, et elle les suit jusqu'à dans la salle où ils vont l'enfermer. Elle a la sensation d'aller vers son salut, c'est-à-dire vers le paradis, quelque chose comme ça. Et elle se voilà, et en fait elle se fait prisonnière par l'aimante depuis ce jour. D'accord. Ok. Bien. Alors, depuis combien est-ce qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son sens supérieur? J'ai 16. 16 vies humaines? Oui. Ah oui. D'accord, on va voir d'où elle vient. Avoir dans cette fausse matrice, c'est ce qu'elle forme. 1, 2, 3, avoir la matrice. Alors, j'essaie de définir ce que je perçois. C'est un être volant. Alors, moitié, on dirait, alors, moitié humanoïde et moitié insecte. Je ne sais pas trop comment expliquer. La planète, elle est un peu dans les verts bleutés, en fait. Verdoyant et bleuté, où c'est peuplé d'humanoïdes insectoïdes. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. C'est à moitié-moitié. Ok. On est en cinquième dimension. Ça vibre assez haut quand même. Et on est dans un autre univers. C'est pas un univers qui existe ici. Le côté insectoïde, ça ressemble à quelle espèce? Des libellules, quelque chus comme Ah, ça. d'accord. D'accord. J'essaie de définir parce que c'est à la fois petit mais grand, mais déployé, expansé. On voit que c'est des petits êtres, mais on sent qu'il y a une expansion en fait d'énergie autour de leur corps en fait. D'accord. C'est beau à voir quand même. C'est très apaisant. Elle joue un rôle particulier dans cette existence. Allez. Alors, j'ai le terme recherche qui m'est venu, et donc je vais te dire chercheuse. Elle fait des recherches. Et en fait, je la voyais, c'est pour ça que je la voyais voler. Alors, il y a comme des sortes. Alors, je peux dire ça des océans, mais ce n'est pas de l'eau liquide, hein, d'accord? Oui, Comme des voilà. sortes. Voilà. Comme des sortes d'océans, en fait, elle vole et elle est à la recherche, on va dire. Comment je peux dire ça, des informations spécifiques d'espèces de l'infiniment petit, encore plus petit qu'elle d'ailleurs, comme des sortes de cellules. Je sais pas, elle fait des recherches dessus, c'est une chercheuse. Elle a aussi des pensées existentielles, elle se pose des questions aussi sur l'existence. Voilà. D'accord. Et donc, cette recherche d'espèces d'infiniment petits, c'est pour faire quoi? C'est juste pour la connaissance ou il y a des projets? Pour l'instant, non, c'est de la connaissance. Elle veut savoir comment elle a été créée, en fait, son espèce a été créée et leur existence aussi. Elle se pose des questions, en fait. Elle est D'accord. très Question vive d'esprit. existentielle, quoi. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se retrouve sur Terre incarnée alors? Quand tu dis ça, j'ai une sorte de loupe ronde, tu sais, des lunettes rondes comme ça. On va regarder de plus près. En fait, c'est comme si elle avait observé qu'il y avait quelque chose de nouveau dans ce qui l'intéressait, dans des cellules, ailleurs, sur une autre planète, une autre constellation. C'est comme si elle savait qu'il se passait quelque chose ailleurs et qu'elle a voulu aller voir. Donc, elle a demandé l'autorisation
à sortir de son territoire, on va dire ça comme ça. Hein. C'est comme un visa, en fait. Ah bon? Elle a besoin de demander une autorisation pour sortir du territoire. Apparemment. Elle est en zone contrôlée. Contrôlée, je ne sais pas si c'est vraiment le terme. Non, je rigole. C'est de l'humour. Mais... Hein. Et c'est étonnant qu'elle ait demandé une autorisation. Oui, dans son clan, en fait, parce qu'il y a, elle n'est pas forcément... Elle ne vit... Il y a une hiérarchie. Il n'y a pas forcément une hiérarchie, mais c'est un clan, c'est une communauté. Donc, pour ses recherches, elle demande l'autorisation d'aller sur une autre planète. Et là, elle atterrit sur, dans notre univers, en fait, à nous, dans une sphère aussi en cinquième dimension. Alors, attends, je regarde un peu plus près, parce que je vois des planètes que je n'arrive pas très bien à définir. Il y a Orion qui me vient là tout de suite, dans la constellation d'Orion. Il y a des planètes d'Orion. Là. Oui. Enfin, en tout cas, une dans laquelle elle est intéressée, et de cette perspective, je voyais d'autres planètes en fait dans la constellation d'Orion, c'est pour ça. Okay. Donc elle y va en. Elle se déplace en saut quantique, puisqu'elle fait un bond d'un univers à l'autre. D'accord. Elle va sur cette planète qui l'intéresse dans ce qu'elle recherche, dans des cellules de ce lien. Donc là, en l'occurrence, c'est une planète d'Orion alors. Oui. Elle rencontre d'autres êtres humanoïdes qui ne sont pas comme elle, hein, mais c'en est d'autres. Ce n'est pas forcément un sexoïde. Mmh. Elle fait des échanges, des recherches, et là, elle est amenée, en fait, à... Alors, attends, je regarde assez spécifiquement parce qu'elle va rencontrer d'autres êtres sur Orion qui s'intéressent à la Terre, en fait. C'est pour ça que je la vois, en fait. Comme une sorte de, je peux dire, j'ai le terme déménagement qui m'est venu. C'est-à-dire qu'elle a sorti son laboratoire là pour aller vers des êtres qui s'intéressent à la Terre. Et je dirais que ces êtres sont à moitié humanoïdes et reptiloïdes. Mmh. Donc, elle a rencontré ces êtres-là. Enfin, les rencontrer, c'est pas vraiment des rencontres, mais c'est comme si quelqu'un les présentait, lui présentait pour ses recherches, mais on lui demande en fait spécifiquement de travailler sur une recherche spécifique. Mais elle ne connaît pas l'objectif final en fait de ces entités-là. Objectif caché. Exactement. C'est des sortes de dracos d'ailleurs. Dès que je me suis rapprochée d'eux, et ce sont des dracos d'ailleurs, parce que l'énergie plus dense et beaucoup plus lourde. Donc, je suis en train de l'observer avec la mission qu'on lui donne. Alors, elle ne les voit pas directement, les dracos. C'est juste, tu sais, comme quand on transmet des messages, bon ben, si tu veux travailler sur ça dans ton laboratoire, c'est comme un ordre, en fait, qu'on lui donne. Tu vois, quelque chose comme ça. Elle est OK parce qu'elle est là pour elle la... Elle ne sait pas vraiment à qui elle a affaire. Exactement. Elle ne sait pas à qui elle a affaire, c'est ça. Exactement. C'est juste de la communication télépathique, en fait, si je comprends bien. Oui. D'accord. Ok. Et qu'est-ce qu'il demande de faire? Alors, quel genre d'objectif il lui propose ou il lui impose? Alors, justement, elle ne sait pas de quoi ça ressort, mais ce sont des énergies d'être humain, en fait, qu'on lui demande d'étudier. Alors, je ne sais pas exactement, ça ressemble à des atomes, je dirais. Okay. Voilà, ce que je peux te dire, je ne peux pas expliquer plus. Ça ressemble à des atomes qu'on lui demande d'étudier. Et toujours dans l'infiniment petit, finalement. Oui, c'est ça. J'ai bien compris. Ouais. C'est ça. Elle est spécialisée dans l'infiniment petit. Et en fait, elle est émerveillée par ce qu'elle voit, parce qu'elle n'a jamais vu ces sortes d'énergie d'atomes. On va dire ça comme ça. Et elle aimerait aller voir de plus près. Et donc là, en fait, elle demande, comme si on lui disait, est-ce qu'elle demande autorisation de se rapprocher en fait de la planète Terre pour étudier beaucoup plus près. Et là, en fait, si, elle a encore besoin de demander autorisation. C'est bizarre. À qui elle demande autorisation là? Ben, c'est par rapport à des recherches en fait. Donc là, elle demande. C'est au Draco, sans savoir exactement qui sont ces êtres-là derrière en fait. Elle demande, oui, elle demande toujours l'autorisation, exact. Je ne sais pas. Je l'avais encore. C'est vrai qu'elle reconnaît une autorité
Et elle ne peut pas y aller d'elle-même. En fait, c'est pas vraiment une autorité, c'est parce qu'elle fait des recherches. Donc, comme elle est sur des zones, ce n'est pas forcément chez elle. C'est comme ça, en fait, que ça fonctionne. Donc, comme elle n'est pas dans sa zone locale, elle demande à aller voir de plus près. Parce qu'on lui a donné cet ordre, en fait, au niveau des atomes. Donc, est-ce que je peux me rapprocher? Parce que ça m'intéresse, en fait, de voir le sujet de plus près. Elle est très curieuse, en fait. C'est ça, j'ai une forte curiosité à la recherche. Et sauf que ce qui se passe, c'est qu'en se rapprochant, en fait, elle est complètement... Elle n'a pas capté les énergies. Donc, d'Orion à la Terre, ça n'a plus rien à voir avec la fausse matrice qui est installée. Donc là, je la vois partir directement dans les roues d'incarnation. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont compris. Mais en fait, ce n'était pas prévu qu'elle termine dans les roues d'incarnation. Mais eux, d'Orion, ils savent bien que ça se passe comme ça sur Terre, surtout qu'ils n'y sont pas étrangers. Ils ne lui ont pas dit. C'est d'accord. Ça. Donc, ils le disent, ils savaient que ça allait se passer comme ça. Oui. D'accord. Et c'est quoi leur objectif de l'envoyer dans les roues d'incarnation, finalement? Puisque, en fait, il n'avait pas besoin des informations qu'il lui demandait, en gros. C'est une stratégie, non? C'était une stratégie, oui. D'accord. Maintenant, ils vont pouvoir aussi la suivre, la surveiller, comme c'est, elle a toujours cette essence-là de recherche. Donc, voir que, en fait, c'est comme si c'était un rat de laboratoire, voilà. De quelle manière ils la surveillent alors une fois incarnée, ils ont passé quelque chose? Comment est-ce qu'ils la repèrent dans l'incarnation? Alors, oui, il y a quelque chose, comment je peux dire ça, une sorte de puce. Ils l'ont pucé. D'accord. Il y a aussi, tu sais, ça me ramène à ce qu'on voit quand on rentre dans la grille de la fausse matrice, oui. Avec code, il y a quelque chose comme ça qui, dans les codes, permet aussi de la repérer. Si on veut la suivre, si on veut la surveiller, on peut la repérer aussi à travers ces codes. Donc, il y a la puce et puis il y a les codes qui sont de la fausse matrice, c'est ça que tu veux dire? Exactement. Et cette puce, elle est située où? Où est-ce qu'ils l'ont placée? Là, j'ai... dans le chakra racine, puisqu'il y a la densification de la 3D. D'accord, ok. Très bien. La première existence qu'elle mène sur Terre, c'est en 3D et c'est sous forme humaine ou il y a d'autres formes d'existence avant? Non, moi je perçois humaine directement. Mais c'était dirigé par eux, par eux. Ok. Bon, en tout cas, maintenant qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son sens supérieur, tu peux revenir ici maintenant. Oui. Voilà. Donc, si tu la scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout dégagera, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Oui, c'est bon. Non, c'est bon. C'est bon? Alors, identifie-la, regarde ton ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle, que tout son ADN est entièrement issu de son essence, s'il a été trafiqué ou pas. Alors, il y a une modification, oui. Mais pas d'intention. Quel pourcentage? J'ai 4%. C'est par rapport à ces corps subtils qui sont séparés, en fait. Ok. Donc, ça a créé la séparation des corps subtils. Ça lui pose d'autres problèmes? Au contraire, c'est que les corps subtils se séparaient avec cette énergie et que l'ADN s'est modifié. Ouais, d'accord, c'est une conséquence. La modification est une conséquence de la séparation des corps subtils. Exactement. D'accord. Et donc, il y a 4% qui sont modifiés. Bien. Alors, demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archiavélique. Qu'elle le veuille ou non, qu'elle se cache ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc, à part ces mentes, qui vois-tu l'autre? Alors, il y a des entités démoniaques que j'avais perçues déjà tout à l'heure, qui appuient sur les failles émotionnelles.
Alors, donc c'est les opportunistes, elles appuient sur des failles. Alors j'ai la culpabilité, l'anxiété, des angoisses, des peurs. Donc voilà, qui sont déjà existantes, mais elles appuient sur ces failles-là. Tu m'entends? Oui, je t'écoute, ouais, je suis tout ouïe. Hein. Ah. Je te laisse parler. Hein. D'accord. En appelant. Oui, c'est bon. Tu as autre chose que tu voulais dire? Non, pour les entités opportunistes, c'est bon. D'accord. Alors, qui d'autre alors? En arrière-plan, j'ai les gestionnaires de la matrice jusqu'aux archontes sont placés. Parasite? Non, j'en vois pas, j'en perçois pas, non. Bien, alors elle déclare de ce petit monde qu'elle rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel. Et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archiavélique. Tout dispositif vu et pas vu. Tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vu et pas vu disparaît avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et repolitif, copier-coller, programmation. Et que, donc on ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Blanche se place dans une bulle christique de protection. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend d'énergie, se ravigore, se restructure, prend de la vitalité. Et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vois-tu Blanche à présent? Un grand soulagement intérieur, elle se sent détendue. Bien, dis-moi maintenant comment réagissent ces entités. Alors, il y a des sortes d'ordinateurs, des alarmes qui s'allument dans tous les sens. C'est comme quelqu'un qui s'est fait débrancher, tu sais. Donc elles sont en train d'ouvrir des vortex et des lignes de temps. Il y a plusieurs repères en fait, plusieurs Bien. manières. Ok, donc on va toutes les bloquer, on bloque tout sur tous les plans, comme un arrêt sur image. 1, 2, 3. Voilà, maintenant tu vas revenir en arrière et tu te positionnes juste avant que les entités réalisent qu'il se passe quelque chose. Oui. Voilà. Donc maintenant tu ouvres un portail dimensionnel et elles, tout leur matériel et tout ce qui va, tu dégages. 1, 2, 3, sur tous les plans, comme précité habituellement. Oui. Tu refermes et tu l'effaces. Oui. Voilà. Dis-moi maintenant s'il reste quelque chose sur la bulle énergétique, donc de blanche. Oui, j'ai comme des résidus de cicatrices. Alors, on les élimine sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toute ligne de temps, jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. La prochaine fois, pour faire plus court, je dirais comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà, regarde s'il en reste encore en arrière-plan. Non. Bien. Dis-moi à présent si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. La retrouver, oui, j'utilise des lignes de temps et des espaces-temps. Ok, combien est-ce que tu en comptes? Il y a cinq lignes de temps sur trois dimensions et j'ai deux sas, moi j'appelle ça comme ça, d'espace-temps en fait. D'accord, elles utilisent une technologie pour ça? Oui. Qu'est-ce que c'est comme technologie? Des sortes de lasers quantiques. Ok. Donc on va détruire leur laser quantique. Ok. Oui. Allez, on détruit tout sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui.
Et pour toutes ces lignes de temps, tu ouvres un portail, ils vont virer tout. 1, 2, 3, sur tous les plans. Oui. Tu refermes et tu l'effaces. Oui. Regarde la présence, si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui, une puce d'ADN en fait, de données, une sauvegarde de l'ADN, pardon. D'accord. Qui est situé où? Dans leur espace. À... Ouais. Ok. Il y a plusieurs sauvegardes ou il n'y en a qu'une seule? Il y en a plusieurs. Ok, donc on détruit tout sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Voilà, vérifie s'il y a encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Alors, oui, j'ai quelque chose avec le troisième œil là. Parce que je ressens quelque chose, je ne sais pas s'il y avait... Ah non, c'était pas là... au niveau du troisième œil, elles détiennent des particules de son troisième œil. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. D'accord. Elles détiennent okay. Des choses. Oui. Avec les lasers, ça y est, ça me revient. C'est par rapport au laser, en fait, qu'elles ont des informations. Donc, elles détiennent des particules du troisième œil, c'est ça? Oui. Je suppose au niveau des corps subtils? Oui, bien sûr. Oui. Voilà, donc on détruit tout sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, ça y est. Regarde maintenant si elles ont d'autres moyens de la retrouver, de la repérer. Ah non, c'est bon là. Alors regarde comme elles sont malignes, si elles ont dissimulé quelque chose, si elles ont anticipé la séance, et si elles sont en train de nous berner. Non, j'ai plus rien. Je suis assez calme. Il n'y a plus rien qui s'active là. Très bien. Bon. Alors, pendant qu'on y est, j'aimerais que tu regardes cette fameuse puce là qui a été posée par ces dracos avant qu'elle entre dans cette fausse matrice. Elle est encore là ou pas cette puce? Oui. Voilà. Pendant que j'y pense, on va la détruire tout de suite. OK? Allez. Tu mets un laser, tu détruis tout. 1, 2, 3. Oui. Donc, regarde s'il en reste quelque chose. Oui, il y a des résidus. Alors, tu ouvres un portail et on vire. 1, 2, 3. Oui. Ouais. Tu refermes et tu l'effaces. C'est marrant parce que c'est très lent par rapport au reste. C'est comme si, je ne sais pas, c'était... C'est un autre espace, pourquoi ? Oui, c'était là depuis longtemps. C'est bon. D'accord. Regarde tout simplement, vérifie si ces dracos sont en moyen de la retrouver, eux, de leur espace d'Orion. Là. Oui, il y a quelque chose qui s'active dans le cortex, exactement. Je crois. Est-ce que c'est ? C'est lié. Regarde si c'est en lien avec les codes matriciels qu'on va supprimer tout à l'heure. Exact. C'est ça ? Oui, c'est bien ça. Bon, ok. Donc, ça sera fait en son temps. Bien, on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside, dans quelle situation. Sur le plan morantiel, et il l'observe. Bien, comment tu vois son âme? Elle est soulagée, beaucoup moins anxieuse en tout cas. Et la partie subliminale? Elle est plutôt joyeuse et en mouvement pour se réveiller. Alors, on va demander à son soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Alors nous y allons. 1, 2, 3. Oui. De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là? Oui. Je lui propose d'aller à l'origine de son incarnation en tant que blanche pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? Oui. Alors, nous y allons en mode dépassement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui.
sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Blanche. De vivre sereinement cette incarnation et tranquillement. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité ? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-elle collectée à ce moment-là à la source ? 98%. Tu l'invites à monter à 100%? Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. À présent, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Alors, sur le côté gauche de l'arbre, c'est à la polarité féminine, il y a comme un trou. Comme si on avait percé un trou, en fait. Et ça déstabilise les consciences qui sont là. Il y a un gros manque de communication, en fait, entre les polarités, masculine et féminine. Je peux dire ça comme ça. Une déformation de réalité aussi pour la polarité féminine. Comment est-ce que ça impacte particulièrement Blanche ? Alors, il y a cette déformation de la réalité, de la communication avec l'autre, mais aussi dans ses polarités à elle, ce qui la place en fait dans une sorte d'isolement. Elle peut se sentir vulnérable. Voilà, exactement. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. À combien de générations sommes-nous en arrière ? 53. Que se passe-t-il à ce moment-là ? Alors, ressortir des roues d'incarnation, cet arbre est happé par des entités démoniaques, dont une qui se met à déstabiliser l'arbre en perçant l'arbre. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré ? Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu lui donnes les informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire ? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ses entités. Bien, on va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées ? C'est comme s'il se reconstruisait et que les âmes s'inter-reconnectaient, surtout les âmes entre les deux polarités, et qu'il y avait une sorte d'unité aussi dans la polarité féminine, dans les consciences. Et Blanche, elle se reconstruit, je dirais, elle reprend sa place, sa juste place, c'est le terme qui me vient, en tout cas, dans son arbre. Bien, alors est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier les plus proches ? Oui. Allons-y. C'est bon. Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent ? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement ? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmettre ou autre ? Elle va le couper à 24% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. Oui, c'est bon. Voilà, maintenant nous allons nous occuper de son ADN. Donc, de ces 4% d'ADN modifiés, combien est-ce qu'on peut en enlever dans un premier temps ? Alors, pour moi, on peut tout enlever, parce que ce n'était que des conséquences d'un coup. Okay. Ok, donc on les élimine sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc, bien sûr, elle les remplace avec sa propre essence. Oui. Voilà, maintenant que compte-t-elle faire avec lui ? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement et neuf ou partiellement ? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre ? Elle le refait à neuf. Alors, on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité également, sur tous les plans. 1, 2, 3.
Oui. Et le recréer à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectées et combien sont activées? J'en vois 6 et il y en a 5 d'activées. Alors, est-ce qu'elle peut activer la sixième? Oui. Allons-y. C'est bon. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour elle. Ça va renforcer sa base énergétique et physique. C'est bon. Très bien. Alors à présent, nous allons passer à l'élimination des codes matriciels limitants. Et ça, comme d'habitude, nous allons le faire en privé. Donc j'arrête l'enregistrement. Alors, on revient sur la publique. Et donc, puisque nous avons procédé à l'élimination des codes matriciels limitants, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations archéologiques, archontiques ou de l'intelligence artificielle. Non. Rien du tout. Parfait. Donc, elle remplace tout ça avec sa propre essence. Oui. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 85%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Voilà. Elle s'apprête à venir au monde. Elle envoie de l'amour dans l'entre maternel, dans l'environnement. Elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Et je vais conseiller à Blanche d'être pleinement présente, participative et active pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé. Et j'invite les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archéaviliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. Oui. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Nous éliminons toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêche, entrave, limite sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. Vérifie s'il reste des copies ou des parties d'elle quelque part. Non, c'est bon. Alors, elle intègre tout ça dans les différents états de conscience. Oui. Et elle déclare, je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence
est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. Oui. Elle rajoute, j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leurs organisations et associations auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, pactes, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. Oui. À présent, nous allons aborder la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Blanche, tout y est proposé. C'est elle-même qui fera le tri. Elle déclare « Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. » Oui. « Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. » Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie, ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit, le « je » dans la forme humaine ou autre, n'est pas qui je suis vraiment. Oui. À présent, elle déclare « Je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. » Oui. « Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, de plaisir et j'en passe des meilleurs. » Oui. « En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie. » Il fait venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que, surtout, je co-crée. Oui. Car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant, je suis libre et que j'ai compris. Oui. À présent, le protocole du pardon. Elle déclare, de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et donc scénario, que chacun fait de son mieux, et qu'il n'y a que des innocents et des ignorants, compte tenu des systèmes matriciels en place, et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection, et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection, et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus agréable. Productif. Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. Oui. À présent, elle déclare,
Je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis le maître de mon jeu et de ma scène. Oui. À présent, nous allons effacer les mémoires akashiques. Elles ne conservent bien sûr que ce qu'elles estiment juste et bon pour elles, et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'enseigne de temps avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. Oui. Vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages, matriciels ou archaïques, ou tout autre moyen de la repérer. Non. Alors, elle entre dans tous ses corps comme un téléchargement, jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? Elle est de forme humaine. Elle crée des connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Elle lui demande de procéder aux harmonisations, rééquilibrages, réajustements, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de ses systèmes, ses fonctions et les organes. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec dans chacune des molécules une fleur de vie, une graine de vie et un double de la muscate activée. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. La molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Oui. Le neutron mère au neutron primordial. Oui. Le neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Le tachyon mère au tachyon primordial. Oui. Les différentes particules quantiques mères aux différentes particules quantiques primordiales. Oui. La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels, bien sûr. Oui. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Installation de programmes anti-ondes des fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. Oui. Un contre les influences de la conscience collective avec son corps diamantin. Oui. Un contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. Un contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour d'elle, quelle que soit la nature, l'origine et l'époque. Oui. Un contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Un contre la vacciculation. Oui. Et un contre les vacciculés, quelles qu'en soient les versions reçues. Oui. Que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles. Oui. Pour ce faire, qu'ils soient adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. Oui. Donc, elle a eu 3 doses. Alors, regarde, elle a reçu 3 doses donc de vacciculation. J'aimerais que tu regardes quel genre de version elle a reçu et quelles ont été les conséquences. Alors là, j'ai vu tout de suite la protéine Spike, donc j'ai pas la version. Il y a deux versions qui sont atténuées, mais qui sont présentes, on va dire. C'est pas complet, mais atténué avec la protéine Spike, en tout cas, les deux premières injections, on va dire. Et la troisième, c'est plutôt placebo. D'accord. Bon, alors on va regarder. Donc de ces deux injections, je suppose qu'il y a eu du graphène. Alors oui, il y en a eu, oui, bien sûr. Est-ce que tu vois qu'il reste encore aujourd'hui? Non, c'est éliminé. Donc son système immunitaire a tout digéré, alors si j'ai bien compris. Oui. Parfait. Donc tu m'as parlé de protéine Spike, est-ce que tu vois qu'il y en a encore aujourd'hui? Ah ben, oui, ça s'active devant moi, donc oui, il y en a. D'accord. Ok. Donc on va les griller. Ok. Tu fais un puissant éclair et on grille tout sur tous les plans. 1, 2, 3.
Oui. Regarde s'il en reste quelque chose quelque part. Non. Bien. Regarde maintenant si tu vois de la nanotechnologie. Non, ça ne s'est pas activé. Ok. Ça... Ok. Alors dis-moi quelles ont été les conséquences de ces trois injections, enfin, surtout en particulier les deux premières. J'ai le terme accélération déjà de, comment on peut dire ça, de maladie qui était déjà présente, de vulnérabilité dans son corps physique, hein, je parle dans la physique. D'accord. Oui. Ça provoque des accélérations des pathologies présentes ou en dormance, c'est ça? Exactement. Ok. Donc là, tu confirmes qu'il ne reste plus rien? Oui, c'est bon, il n'y a plus rien. Parfait. Donc, que tous ces programmes soient donc stabilisent, sécurisent, pérennisent et concrétisent tout ça, bien sûr. Oui. Voilà. Donc, je reviens à ce que je disais, que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles. Oui. Pour se faire qu'ils soient adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. Oui. Installation de l'arbre de création et activation dans les deux sens. Oui. Installation de fleurs de vie, graines de vie et double de muscat activée. Oui. À présent, elle crée son code de vie et l'active également. Oui. Voilà. Que tout soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui. À présent, nous allons travailler sur l'atlas et la colonne vertébrale. Tout d'abord, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Voilà. Donc, au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie. Oui. Au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Et à la source pour recevoir information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Voilà. Et je vais conseiller à Blanche d'être pleinement présente, de visualiser, imaginer et ressentir au maximum pour faciliter les intégrations. Et bien sûr, les personnes qui voient cette vidéo pour elles-mêmes. À toi de jouer. À partir de son chakra cardiaque se déploie une onde puissante et tourbillonnante de couleur dorée qui vient englober tout son espace énergétique et physique dans une sphère sécurisée. Cette onde monte en puissance et descend tout le long de la colonne vertébrale pour relier et réutiliser les vertèbres entre elles ainsi que les organes et systèmes associés, arrivée en puissance au niveau du coccyx. Elle expulse et pulvérise des amas denses et sombres hors de la sphère sécurisée. Ce sont des mémoires traumatiques. C'est fait. Alors, elle enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun, dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il procède par annule et remplace. Oui. De notre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans sa version originelle. Oui. Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Système cérébrospinal. Oui. Nerveux. Oui. Sanguin. Oui. Lymphatique. Oui. Énergétique des méridiens. Oui. Osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Musculaire. Oui. Cardiovasculaire. Oui. Respiratoire. Oui. Endocrinien, glande immunitaire et hormonale. Oui. Digestif et métabolique. Oui. Urinaire, émonctoire, évacuation et élimination. Oui. Système reproducteur et sexuel. Oui. Système des cellules de la peau et des tissus spécialisés. Oui. Système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, on élimine toutes les programmations limitantes sur tous les plans. 1, 2, 3, comme précité.
pour le système extrasensoriel, protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. Sécuriser et activer. Système visuel. Oui. Auditif. Oui. Olfactif et gustatif. Oui. Kinesthésique. Oui. Système dentaire avec le tableau général. Oui. Bioélectrochimique. Oui. Équilibre acido-basique. C'est bon? Oui. Ah bon, je n'avais pas entendu. Donc, ce cycle vito, organique et systémique, décidément. Oui. Voilà, que tous ces systèmes soient stabilisés et indestructibles. Oui. Voilà. Et à présent, donc maintenant, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. À toi de jouer. Elle se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel qui vient accorder chaque vibration sur chaque organe, système, qui crée des résonances dans chaque tissu, tendon, muscle, cartilage, jusqu'au cœur des cellules. C'est toute sa physicalité qui se place dans un nouvel équilibre et un nouvel état d'être. C'est fait. Microkiné. Elle actionne les points de correspondance qui déploient harmonieusement ses corps subtils. C'est bon. Massage métamorphique. Elle adapte à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est bon. Fasciathérapie. Rééquilibrage et réajustement des fascias dans toute sa physicalité. C'est fait. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà, donc Donc à présent, c'est le système des chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur du Gaïa et à la source. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double l'hémiscate activé. Oui. Chakra secondaire, idem. Oui. Souterrain. Oui. Aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? Il y en a 7. C'est bon. Centrage et alignement. Oui. À présent, nous allons procéder à l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Pour cela, je te laisse les rassembler, tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Alors, on les élimine sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Regarde si tu en vois en arrière-plan. Non. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, les systèmes de vieillissement au sein de l'ADN des cellules de sa biologie. Pour cela, nous allons utiliser la loi de l'inversion pour en faire des programmes de rajeunissement et de régénération. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments et on commence par l'élément terre. Oui. Air. Oui. Eau. Oui. Feu. Oui. Éther. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, c'est le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreintes, échos, résonances, réminiscences, système duplicatif et recollectif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Oui. Que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point 0. Oui. Et pendant que le système mental continue le travail, nous allons prendre sa liste, mais auparavant, nous allons faire le tour de tous les systèmes, d'abord globalement, ensuite individuellement, et après nous abordons ces questions. Donc globalement, que vois-tu à éliminer pour chacun des systèmes, pour tous les systèmes, pardon. Des mémoires traumatiques avec écho et résonance, des habitudes de fonctionnement et des programmes de compensation de l'élémental. Alors on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Tu en vois d'autres en arrière-plan? Non. Alors, je ne te le demanderai plus. Et que chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui.
apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Réaligné, érotisé, ce qui doit l'être. Oui. On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Système endocrinien, immunitaire, hormonal, glandulaire. Que vois-tu éliminer pour chacun ? Il y a des mémoires traumatiques avec écho et résonance, des programmes de compensation de l'élémental avec des habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Que chacune des parties, chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Réaligné et retissé tout ce qui doit l'être. Oui. On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, on va regarder sa glande pinéale. Donc, je ne sais plus, il y avait un système GPS ou pas la pinéale. Non, c'était la thyroïde et le bas du dos. Ok. Pour ces deux parties, il reste quelque chose ? J'ai des résidus, oui. Ok, alors on les élimine sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Tu as besoin de ton arrière-plan ? Non. Voilà, puisque nous y étions. Donc, j'en reviens à sa glande pinéale avec sa production de valantonine, cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises ici et maintenant, à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite ? 61%. Ah, elle était à combien avant la séance ? 42. Ah oui, bien. Alors tu vas la programmer pour être à 100% tout en tenant compte donc, des variations nécessaires à la biologie. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Système neuronal, nerveux central, ORL, visuel et respiratoire. Que vois-tu éliminer pour chacun ? Il y a des mémoires traumatiques avec écho et résonance et des habitudes de fonctionnement avec des programmes de compensation de l'élémental. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. Et que chacune des parties, chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligner, retisser tout ce qui doit l'être. Oui. À présent, tu vas regarder l'équilibre du cerveau droit-gauche. À rééquilibrer. Allons-y. C'est bon. Bien. Maintenant, vois-tu des reconnexions à faire ? Oui. Alors, on va toutes les faire en une seule fois, en cascade, jusqu'à la dernière. 1, 2, 3. Oui. En vois-tu d'autres en arrière-plan ? Non. Alors, système neuronal, vois-tu des reconnexions à faire ? Oui. Idem. 1, 2, 3. Oui. Toujours système neuronal, mais les zones plus spécifiques qui concernent la mémoire, les systèmes cognitifs, les systèmes perceptifs et ceux de la communication. Vois-tu pour chacun des reconnexions à faire ? Oui. Alors, idem. 1, 2, 3. Oui. Système nerveux central ? Oui. 1, 2, 3. Oui. ORL visuel et respiratoire ? Oui, il y en a. 1, 2, 3. Oui. Que tout soit harmonisé, stabilisé, sécurisé, prénisé et concrétisé. Oui. À présent, c'est les systèmes circulatoires, sanguins, lymphatiques, énergétiques. Que vois-tu à éliminer pour chacun ? Il y a des empreintes traumatiques, des habitudes de fonctionnement et des programmes de compensation. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà, que chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retissé ce qui doit l'être. Oui. On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Système digestif, métabolique et tous les systèmes d'élimination. Que vois-tu à éliminer pour chacun ? Il y a des mémoires traumatiques, des habitudes de fonctionnement et des programmes de compensation de l'élémental. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune des parties, chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retissé ce qui doit l'être. Oui.
On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà, à présent, on va aborder ces points. Donc, le premier qu'elle a évoqué, c'est que depuis 1995, elle a des problèmes de santé. On regarde donc s'il y a des causes ésotériques pour le, donc si ce serait des raisons pour lesquelles là ça a commencé en 95. Oui, j'ai une accentuation de des projets de démente, pas des projets, c'est pas vraiment du projet, mais de sa situation, de son dispositif. C'est comme si le cercle, le disque lumineux, on avait accentué en fait, augmenté, on va dire, la charge. D'accord, ok. Donc là, à ce moment-là, ils ont un petit peu augmenté les doses, quoi. Enfin, okay. Leur action. C'est ça, en quelque sorte, oui, c'est ça. Bon, autrement, si tu regardes dans cette période, il n'y a pas, dans ce qu'on entend en cause ésotérique, genre magie ou autre chose contre elle. Non, je revois des mentes. C'est les mentes, hein. D'accord, ok. Bien. Donc, ok. Qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer maintenant de cette situation-là? Alors, des mémoires traumatiques avec écho et résonance et des habitudes de fonctionnement. Bien. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. Comme précité, 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc, on va reconnecter, réinformer tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibre et synchroniser. Oui. Réaligner et rotisser ce qui doit l'être. Oui. Voilà. On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Donc, il y a une quinzaine d'années, on a diagnostiqué une tumeur au pancréas. Voilà, donc en fait, la question est posée de savoir si c'était depuis la naissance ou pas. Donc, regarde par rapport à cette tumeur au pancréas, quand est-ce qu'elle a commencé à se déclarer, selon ton point de vue à toi? Moi, j'ai l'implant qui est situé derrière le dos, qui touche en fait, c'est derrière le dos, mais qui s'enfonce dans les organes en fait. C'est dû à cet implant GPS qui désorganise les systèmes et ça crée comme une sorte d'abord de nodule bénin, on va dire, depuis ouais, le début de l'incarnation, c'est ça. Tu vois que ça ne touche que le pancréas ou il y a d'autres organes qui sont touchés à côté? Comme ça se diffusait en termes d'ondes, ça pouvait aussi toucher d'autres systèmes. Il n'y a pas que le pancréas. Alors, ça fait ou ça a touché? Là, je ne vois pas d'autres nodules ailleurs, en tout cas, si on parle de nodules. D'accord, et si on ne parle pas de nodules, si on parle de simplement d'impact, tu vois d'autres organes qui sont impactés? Oui, j'ai une fragilité au niveau du foie, par exemple. Oui. Ça agit aussi au niveau des intestins, ça peut ralentir le transit, quelque chose comme ça. Voilà. Voilà, non, ça les reins pas trop, un petit peu, mais rien de concret, en tout cas dans l'élémental. Rien d'alarmant. D'accord. En tout cas, pour toutes ces parties, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer maintenant? Alors, des traces traumatiques avec écho et résonance, des habitudes de fonctionnement et des programmes de compensation de l'élémental. Alors, on élimine ça sur tous les plans. Comme précité, 1, 2, 3. Oui. Voilà, que chacune des parties concernées soit reconnectée et réinformée. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et rotissé. Oui. Alors, regarde comment tu vois son pancréas à présent. Il y a une circulation fluide, je dirais. Et alors le nodule, il est toujours là, mais on peut le résorber en fait. Donc toi, tu le vois sous forme de nodule, parce qu'on parlait de tumeur. Toi, c'est un nodule que tu vois. Oui, j'appelle ça un nodule, mais c'est peut-être une tumeur. Je ne sais pas comment. D'accord. Pour moi, c'est la même chose. Enfin, je vois comme une quelque chose qui ne doit pas être là, en fait, une excroissance.
cette là qui désorganise l'organe. Voilà, donc là pour moi là c'est fluide depuis qu'on a dégagé ça. Maintenant il n'y a plus qu'à résorber en fait ce qui est là. Voilà, donc on va demander à son élémental de faire ce qu'il faut, d'installer une programmation de résorption, de résolution, donc pour cette tumeur sur le pancréas. Oui, c'est bon. Et on peut envoyer aussi de l'énergie pour renforcer la force de vie, hein, pour renforcer tout ça. Et ainsi que pour tous les organes qui ont été impactés. Oui, force de vie. Et l'eau primordiale, je ne sais plus exactement, il y a des cellules spécifiques aussi. Alors allons-y. Voilà. On peut mettre des cellules souches pour le pancréas éventuellement, pour sa reconstruction s'il y a besoin. Exactement, voilà, c'était ça. Ok. Donc avec de l'eau primordiale, des énergies spécifiques, tu fais aussi pour tous les organes ce qui est nécessaire. Oui. Voilà, jusqu'au système rénal, même si c'est banal. C'est bon. Voilà. Tu as autre chose à faire pour toutes ces parties ? Là, c'est bien, c'est parfait, ça circule correctement, c'est lumineux, tous ces organes-là sont bien. Ok, alors stabilise, sécurise, pénalise et concrétise. Oui. Voilà, donc en 2023, elle a une fracture de la clavicule, voilà, et puis toujours en mars 2023, fracture de la cheville, voilà, et qui n'arrivait pas à cicatriser d'ailleurs. Regarde pourquoi est-ce qu'il y a tant de fractures, enfin même si on a eu des réponses tout à l'heure, mais... La fragilité des os est due à cette énergie, à ce disque... Entre à la séparation des corps subtils, surtout, en fait. Ok. Bien, donc maintenant, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer pour tout résorber tout ça ? Il y a des mémoires traumatiques avec écho et résonance, des habitudes de fonctionnement, programmes de compensation de l'élémental, et des programmes aussi de rééquilibrage, en fait, de l'élémental aussi. Très bien. Donc, je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé. Oui. Parfait. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà, que chacune des parties concernées soit reconnectée et réinformée. Oui. Apporte énergie et vitalité. Oui. Équilibrer et synchroniser. Oui. Réaligner et retisser ce qui doit l'être. Oui. Voilà. Et puis, comme il y avait une difficulté de cicatrisation, regarde, je ne sais pas aujourd'hui où ça en est, mais tu peux mettre une énergie cicatrisante. C'est la reconstruction cellulaire de la peau, oui. Oui, allons-y. Et, tiens, j'ai quelque chose qui me vient. C'est comme si elle avait la connaissance aussi, par rapport à ses origines. Ah oui, en petit. D'accord. Voilà, et qu'elle pouvait elle-même reconstruire et réparer sa physicalité. Bien. Son corps est un laboratoire. Elle peut maintenant l'expérimenter. En tout cas, ça vibre très fort au niveau de ta cheville. Hein. Ouais, très bien. Voilà. Et puis, comme il y a une plaque de titane, on va aussi faire en sorte que cette plaque soit donc acceptée et intégrée à sa biologie. Donc, tisser des liens énergétiques pour que cette plaque soit intégrée pleinement. Oui. Voilà. Ouais, est-ce que tu as autre chose à faire ? Non, c'est correct. J'observais le réancrage aussi qui s'opère de son pied, du coup, par rapport à la cheville. On est bon. Très bien. Alors, puisqu'on avait dit que son système d'ossature était fragilisé, oui. On est d'accord ? Donc, on va travailler sur toute son ossature. Tu vas y inclure des cellules souches avec de l'eau primordiale pour renforcer son ossature et mettre des énergies et de forces de vie éventuellement. L'information se situe dans la moelle épinière, exactement, de l'os, quelque chose d'accord. Comme ça. Ok, eh bien, allons-y. Tu vois autre chose à faire ? C'est correct, c'est réinformé.
Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà, perte de cheveux depuis 5 ans, regarde qu'est-ce qui se passait. Alors, moi, ça me revient par rapport à la thyroïde. Voilà, je ne sais pas. Il y avait un implant qui était là aussi, situé derrière la nuque, qui touchait sa thyroïde et qui désorganisait un peu les systèmes. Et je vois encore le lien avec la perte de cheveux, perte d'énergie, plus d'énergie, quelque chose comme ça. Ok. Alors, qu'est-ce que toi qui reste à éliminer maintenant? Des mémoires traumatiques, des habitudes de fonctionnement et des programmes de compensation des mentales. Alors, on délimite tout ça sur tous les plans de complexité. 1, 2, 3. Oui. On reconnecte et réinforme tout ce qui doit être. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibre et synchronisé. Oui. Veille à l'ennemi roticier ce qui doit être. Oui. Et maintenant, on va réensemencer sa chevelure, donc mettre des cellules souches et de l'eau primordiale, et y mettre des énergies spécifiques, comme de la force de vie, par exemple. Oui. Tu vois autre chose à faire? C'est bon. Alors, stabilise. Comment? C'est en train de se faire, c'est bon. Alors, stabilise, sécurise, prédise et concrétise. Oui. Voilà, qu'est-ce qui fait que Blanche a ces idées qui se fixent toujours sur le négatif, qui rumine? Qu'est-ce qui fait qu'elle a cette attitude? Il y a les entités démoniaques qui appuient sur des failles émotionnelles, de culpabilité, je dirais. Culpabilité. Oui, tu en as parlé tout à l'heure de la culpabilité. Alors justement, donc on va regarder cette culpabilité puisque qui semble être importante. Tu vas regarder d'où est l'origine cette culpabilité la toute première fois. Je compte à 3 et tu trouves la première fois où elle a éprouvé cette culpabilité. 1, 2, 3. Oui, elle est dans son origine sur Orion avant de se faire duper. Comment dire, avant ou après d'ailleurs. Au moment où elle se fait duper, elle est embarquée dans les roues d'incarnation. Elle se sent coupable de s'être fait trahir, s'est fait duper, tout simplement. Donc, c'est une culpabilité intérieure. D'accord. Donc là, cette culpabilité, elle l'éprouve quand elle se trouve dans les roues d'incarnation ou avant? Non, un petit peu avant, quand elle sent que ça ne sent pas bon. Je vais dire ça comme ça. Alors, tu vas trouver le moment juste avant cet événement, alors? Oui. Voilà. Donc, tu te présentes à elle, tu donnes les informations de ce qui va survenir et tu vas l'inviter à s'y préparer. Oui. Voilà. Et pour cela, donc, on va la connecter directement à la source pour faire descendre information originaire, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, toucher en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? Alors, c'est comme si elle gardait la foi. Que tout ce qui allait se dérouler, c'était juste, voilà, dans la justesse. Parfait, très bien. Donc maintenant qu'elle est préparée, qu'elle est pleinement connectée à toutes ses parties et avec cette nouvelle vision, elle va traverser les événements jusqu'à la première incarnation humaine. Dis-moi comment ça se passe pour elle. Elle est beaucoup plus forte et moins déstabilisée. J'ai ressenti un pic de culpabilité et puis hop, ça s'est réinformé. Elle se sent forte, on va dire, et puissante. C'est intérieur, hein. Une grosse puissance, confiance en elle, en tout cas. Ok, donc là, on est dans la première incarnation humaine. Comment elle se sent maintenant au sein de l'incarnation? En toute confiance, prête à expérimenter, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose comme ça, de l'incarnation. Bien, alors elle prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Voilà. Et elle repasse par chacune des vies vécues, donc et toujours et aussi en intervie, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme jusqu'à ici et maintenant. Oui, ça bouge au niveau du plexus chez elle. Voilà. Oui. Comment tu la vois maintenant ici et maintenant? Elle se sent bien et en confiance. Il y a de la confiance en elle. Ce qui l'empêche maintenant
Elle avait critiqué l'autre, hein. C'était quelque part un exutoire, hein, j'ai envie de dire. Et oui. Okay. Est-ce que tu vois qu'il y a encore des traces d'anxiété? Puisqu'elle non. était aussi anxieuse. Parfait. Non. Bien. Donc, elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer, de déguster tout ça. Ça les fait ressentir quoi, en fait, cette nouvelle situation maintenant? Beaucoup de confiance en elle, une certitude en elle. Et une sécurité aussi intérieure de savoir comment dire, ce qu'elle fait là, le pourquoi elle est là dans l'incarnation. Le sens de sa vie, etc. D'accord. Exactement. Bien. Alors là, ça lui fait ressentir quoi alors, finalement? Beaucoup de joie. Il y a de la joie intérieure là, qui émerge. Et il y a du plaisir aussi à le sentir et à le vivre, en fait, cet état-là. Voilà. Alors maintenant, elle peut le ressentir, l'apprécier, le savourer. Elle télécharge dans toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme jusqu'au soi supérieur. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Donc, autre point, elle est focalisée sur la violence faite aux femmes. Chaque fois qu'il y a des informations ou des choses qui sont en lien avec la violence sur les femmes, elle réagit. Regarde quelle raison il y a à cela. Oui. Ça m'a reconnecté au chakra gorge, en fait. Des mémoires antérieures, en fait, de violence qui ont été faites dans ces mémoires antérieures. Oui. Voilà. Exactement. Alors, chakra gorge, parce qu'il y a beaucoup d'étranglement, en fait, de devoir se taire, de ne pas parler. Ah. Et puis des violences après physiques. Il y a violence physique et violence aussi, on va dire, sexuelle aussi, ouais. Dans certaines. Ouais. Alors, avec ce qu'on vient de faire, est-ce que tu vois qu'il reste quelque chose à éliminer de tout ça ou pas? Oui, on va spécifiquement éliminer. Bah, déjà couper les liens aussi. Hein. En fait, c'est beaucoup de. Ça, c'est sûr, mais qu'est-ce que tu vois éliminer à part les liens? Il y a des traces traumatiques avec écho et résonance, des habitudes de fonctionnement. Ok, alors on élimine tout ça sur tous les plans. Comme précité, 1, 2, 3. Oui. Voilà, maintenant elle va couper tous les liens, donc les liens karmiques, bien sûr. Est-ce que tu vois des liens aussi dans la lignée? Oui. Aussi, donc elle va tout couper sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et donc, en connexion avec la source, par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, active entre les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui. Elle se ressent dans sa véritable nature, dans cet amour qu'elle est, dans sa complétude, son infinitude, son éternitude, sa sécurité intérieure, sa paix profonde. Comment la vois-tu à présent? Alors, calme, une tranquillité intérieure en tout cas. Et de la perspective où elle est, quel regard elle porte maintenant sur ce qu'elle a vécu dans ses violences en tant que femme, mais sûrement aussi d'autres sexes, hein, je suppose. Quel regard elle porte là-dessus? Qu'est-ce que ça lui fait ressentir à présent de cette perspective? Qu'est-ce qu'elle comprend? Elle comprend qu'il y a eu beaucoup de manipulation en fait de ses mémoires et que c'est comme si elle était en train de vivre un programme alors que elle n'avait pas le choix quoi. Donc elle comprend ça maintenant. Et là maintenant qu'elle est détachée, que c'est quasi inexistant on va dire dans sa sphère, elle se sent calme et tranquille et plutôt heureuse de se sentir dans cet état-là. Bien. Alors qu'elle prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Il ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, déjà précité jusqu'au soi supérieur. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Donc, on a dit que son anxiété donc, n'est plus là. On regarde au niveau des liens toxiques par rapport à sa future ex-belle-fille.
Regarde s'il y a des liens toxiques particuliers ou autour d'elle. Oui, il y en a. D'accord. Bon, elle va couper tous les liens hein, sur tous les plans. Allez, tous les liens toxiques et suivant le terme générique qu'on a établi comme ça, c'est réglé. 1, 2, 3. Oui. On voit tout l'autre en arrière-plan? Non. Voilà. Donc, le fait qu'elle ait éprouvé le besoin de critiquer les autres, ça revient à ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Le oui. fait, voilà, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. On est d'accord? Oui. Donc, il n'en reste plus rien? Non, il y a une sécurité intérieure là qui s'est installée, une confiance en elle, donc il n'en reste plus rien. Parfait. Alors, on va regarder son corps mental avec toutes les programmations limitantes qui étaient là et les croyances qui en découlaient, limitantes évidemment. Alors, j'observe des programmes qui sont imbriqués les uns sur les autres, c'est compact, dense, très limitant, avec la croyance qu'elle n'a ni la connaissance et ni la puissance nécessaire pour pouvoir les expulser cet espace. Bien, et à présent, sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pensent ces autres parties? Qu'elle peut, avec l'intention, facilement les dégager de sa réalité. Et c'est ce qu'elle affirme maintenant? Oui. Que reste-t-il de tout ça? Des mémoires traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. Complicité. 1, 2, 3. Oui. Voilà. À présent, toujours sur l'ancienne ligne de temps, j'aimerais que tu regardes son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. Alors, j'ai en premier lieu des frustrations qui amènent beaucoup d'anxiété, d'angoisse, de peur. J'ai en arrière-plan la peur aussi de la mort, je ne sais pas pourquoi, la peur de disparaître, de ne plus se sentir en vie, à sa place aussi, et prendre sa place. Ce qui crée aussi beaucoup de tristesse et de nostalgie intérieure, et de la culpabilité également, des fuites d'énergie intenses, et qui crée tout ça une illusion d'elle-même, fausse image d'elle-même. Voilà. Bien, on va regarder maintenant du côté des cinq blessures principales qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice. Lesquelles étaient prédominantes chez elle et comment s'exprimaient-elles? Et le sentiment d'injustice, de devoir vivre cette incarnation-là dans ces conditions, avec le sentiment d'humiliation, que de ne pas avoir le choix, que de vivre cette incarnation-là dans ces conditions. Et la partie physique, elle se sent trahie par la partie supérieure, de l'avoir rejetée, abandonnée dans l'incarnation. Ce n'est pas la réalité, mais c'est le ressenti de la partie physique. Et pour pouvoir avancer dans l'incarnation, elle s'est créée des bulles d'autodéfense et des bulles de protection pour éviter des pics de souffrance. Mais elle s'isole, elle s'enferme dans ces bulles. Elle se coupe de ses connexions intérieures, ce qui crée encore plus cette illusion, cette fausse image d'elle-même. Voilà. Oui, c'est vrai que ton son, il est un peu saccadé. On n'entend pas tout ce que tu dis. Enfin, on entend mal tout ce que tu dis. Mais bon, il faudra qu'on voit ton micro plus tard. Pour l'instant, donc, bien sûr, je rappelle qu'il s'agit là de lancer ligne de temps. C'est pour qu'elle ait les compréhensions de comment elle fonctionnait et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer de tout ça? Des mémoires traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Très bien. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. Complicité. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et maintenant, toujours en conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui. Chacune des cellules de son corps s'élimine, s'éveille, s'illumine, vibre, rayonne, irradie, pétille. Oui. Chaque particule à l'intérieur, sur et autour d'elle également. Oui. Comment vois-tu Blanche à présent? Elle est calme, j'ai le terme reposée qui me vient, stabilisée et reposée, calme, intérieur, tranquille, sereine, beaucoup de joie et de plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Alors qu'elle prenne le temps de le ressentir, de l'apprécier, de savourer?
Oui. Et elle installe une programmation selon laquelle chaque fois qu'elle en aura envie ou besoin, elle pourra le ressentir pleinement, même si c'est installé là dorénavant en permanence. Elle rajoute cette programmation à sa bulle de vie, chacune de ses bulles de création, hein, qu'elle soit familiale, enfin tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humaine. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment elle vit cet événement que nous nommons communément la séparation, comment elle le vit avec ses nouvelles compréhensions et dans ses nouvelles conditions. Elle a l'intention ferme et la volonté puissante de garder en mémoire qui elle est, de son origine, quelles que soient les circonstances, les manifestations, quelles que soient les incarnations et quel que soit l'espace et le temps. Voilà, et je rappelle que c'est la clé pour tout le monde. Que ressent-elle au sortir de la source, avec tout ce qui se profile devant elle, en termes de possibilités, de potentialités et de cette existence en tant que blanche? Il y a beaucoup de joie, ça pétille. Beaucoup de la relaxation, j'ai encore ce terme-là, reposée, relaxe, tranquille, sereine, de la joie et du plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Alors qu'elle prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer, elle le rajoute à sa programmation Oui. et ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties. Son mental égo, son énergie mentale, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme jusqu'au soi supérieur. Et elle se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Elle se ressent dans sa dignité et sa légitimité. Oui. Le sentiment d'être à sa juste place, où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse, avec plaisir, joie et amour. Oui. Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'aient été les expériences des passés, présents, futurs, elle sait que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. Oui. Elle repasse par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. Oui. Revient ici et maintenant, la boucle est bouclée, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Comment vois-tu Blanche à présent? Alors, il y a beaucoup de joie intérieure, d'ancrage, de stabilité, de paix intérieure et de plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Bien, alors c'est le moment des invitations. Donc, à nommer son mari avec sa famille, bien sûr, ses enfants et leurs familles respectives, la future ex-belle-fille et sa famille, bien sûr. Voilà, sa sœur et sa famille également, la famille en général, les amis, les connaissances, on va dire tous ceux à qui elle pense. Voilà, c'est plus simple. Et tous les animaux, s'il y en a, de tout le monde, qui eux sont conviés, bien sûr, pour la douche finale. Elle montre à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de leur situation respective sur tous les plans et de profiter de cette opportunité qui leur est offerte. Oui. Est-ce que chacun choisit d'en profiter? Oui. Avant cela, accepte-t-il un petit coup de pouce? Oui. Puisque nous avons leur permission, en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux. Donc, sur tous les plans, bien sûr, jusqu'au plan archaïque, élimine également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreintes, échos, résonances, réminiscences, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Voilà. Chacun rompt tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toutes dimensions, toutes fréquences, toutes les vies, bien sûr, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. Chacun va également couper tous les liens toxiques, suivant le terme donc générique que nous leur avons accordé. Sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Maintenant, tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3.
Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Chacun se place dans sa bulle christique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur des Gaïa, programmé uniquement pour cette existence, se connecter à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Blanche pour elle-même, chacun, bien sûr, adapté à sa propre situation. Oui. Et continue jusqu'à la douche finale, à laquelle, je le rappelle, sont invités tous les animaux. Oui. Tout le monde s'est mis à l'œuvre ? Oui. Alors, ça va être le tour des désincarnés. Elle a nommé sa grand-mère maternelle. J'aimerais savoir sur quel plan tu la vois et dans quelle situation. Elle est sur le plan astral, dans sa propre bulle de réalité. C'est comme si elle était encore attachée à la terre, c'est-à-dire qu'elle elle est en train de cueillir des fruits dans un arbre. D'accord, bien. Alors, identifie-la, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle. Oui, c'est elle. Tu peux communiquer avec elle ? Oui. Alors, tu t'approches d'elle, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, et bien sûr, quelles sont nos fonctions, et qui nous envoie, et demande-lui si elle veut que nous l'aidions. Oui. Alors, on la connecte directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Touchée en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour elle à présent ? Elle est sortie de ce plan, elle se demande où elle se trouve, mais elle se sent beaucoup mieux avec des énergies beaucoup plus expansées. Alors, que choisit-elle de faire à présent ? Est-ce qu'elle veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir ? Elle remonte à la source. Alors dis-lui que pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre et sur tous les plans, et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Elle se libère totalement et libère tout et tous. Oui. Avant de remonter à la source, qu'elle veut s'exprimer envers Blanche, et bien sûr, donc, et tous ceux qu'elle a aimé et côtoyé, et celui à qui je pense. En fait, là, elle a envie de prendre dans ses bras Blanche, que elles se sont connues. Elle est très fière d'elle, elle lui envoie plein d'amour, plein d'énergie d'amour, et à sa descendance, j'ai envie de dire aussi. D'accord, ok. Elle a un message particulier pour celui à qui on pense ? À Jean, pas oui. Spécialement, juste des énergies d'amour qu'elle envoie à sa descendance en fait. Donc c'est toute la descendance de Blanche. Okay. Bien. Alors, est-ce que tu peux demander avant de remonter si elle veut bien envoyer dans la lignée paternelle et maternelle de Blanche des énergies, des informations pour que chacune des âmes désincarnées puisse avoir la même opportunité qu'elle ? Oui. Alors, allons-y. Oui. Voilà, maintenant on peut la remercier et la saluer. Oui, elle était très douce comme femme. C'est bon. D'accord. Alors à présent, c'est le tour du grand-père paternel de sa mère. Donc on va dire son nom, Carlo. Ça sera peut-être plus simple pour toi de le trouver. Et oui, dis-moi sur quel plan tu le vois et dans quelle situation. Alors, sur le plan astral, moyen astral, je dirais. Il agit dans des énergies un peu plus élevées. Alors, je ne sais pas, j'arrête pas de bloquer sur une moustache. On ne peut pas savoir s'il avait une moustache, mais en tout cas, voilà. Je bloque sur son visage et il est là dans sa bulle de réalité. Ok. Donc, tu peux communiquer avec lui ? Oui, c'est bon. Voilà. Après, la moustache, ça peut être une apparence qu'il prend d'une autre vie qu'il a aimée, hein. Pas forcément de celle-là, tu vois, mais bon. Ouais, je ne sais pas, c'est la première chose que j'ai vue en premier plan. Voilà. Donc, tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions, et bien sûr, qui nous envoie, et demande-lui s'il veut que nous l'aidions. Ah oui. Alors, on le connecte lui aussi directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent ?
Il a augmenté encore plus ses fréquences. Il est sorti de cette bulle de réalité. Il se sent libre, comme s'il pouvait continuer le plus loin possible. Bien. Alors, donc, avant de. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Avant de remonter, demande-lui s'il veut. Enfin, déjà, qu'est-ce qu'il veut faire? Alors, est-ce qu'il veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Je suis en train de penser à autre chose en même temps, donc je m'embrouille les pédales, là. Qu'est-ce qu'il choisit de faire? Remonte à la source. D'accord. Alors, il dit que pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes ses énergies qu'il a laissées sur Terre, bien sûr, et sur tous les plans, et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Oui. Qu'il se libère lui-même et qu'il libère tout et tous. Oui, c'est bon. Voilà. Et avant de remonter, demande-lui s'il veut s'exprimer envers, bien sûr, Blanche, et puis également Jean, et tous ceux qu'il a aimés et côtoyés. Il remercie Blanche et Jean de l'avoir choisi pour l'avoir aidé là aujourd'hui. Et il envoie des énergies d'amour dans toute la lignée et toute la descendance. Ok. Bon, il n'a rien de particulier à dire à Jean. Non, pas spécialement. Bien, et bien on va. Donc, très bien. On va le saluer et le remercier alors. Oui. Voilà. Donc il est parti en direction de la source, là. Oui. Sorti de la matrice. Ok. On revient à Blanche. Alors, regarde s'il lui reste des liens toxiques. Oui, très peu. Hein. On avait déjà fait une partie. Eh bien, elle va tous les couper. Allez, 1, 2, 3 sur tous les plans, comme précité. Oui. Regarde s'il en reste un arrière-plan quand même. Non, il n'y en a pas. Alors, elle va couper tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. 1, 2, 3. Et elle ne reste, elle n'en garde bien sûr que ce qui lui est utile. Oui. Couper et désactiver le numéro d'INSEE ou son équivalent si elle n'est pas en France, je ne sais plus. Partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang, dans le corps d'autres personnes, comme dans les dons du sang, ou du sang prélevé, stocké quelque part, des ongles, des cheveux, de l'ADN, des cellules, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps, subtils et physiques, tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations, volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. Oui. Voilà, maintenant vérifie après l'élimination des codes matriciels limitants s'il reste quelque chose à éliminer de la fausse matrice. Non. Alors, de son espace moronciel, elle récupère toutes ses énergies. Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double de lumiscate activée. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre qui est, je le rappelle, le point zéro qu'elle peut activer à tout moment par l'intention. Oui. Voilà. Et je rappelle pour ceux qui en ont besoin qu'il ne s'agit nullement d'un implant, c'est juste une métaphore. Processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut ressentir et apprécier dès maintenant et dont tu peux profiter si tu veux. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives. En particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui. Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Processus d'auto-guérison. Pour toutes les parties qui le nécessitent, elle place sa conscience dans l'espace potentiel. Oui. Pour chacune d'elles, elle fait descendre informations originelles, énergie et code. Installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. Oui. Insertion de fleurs de vie, graines de vie et double de lémiscate activée. Oui.
À présent, elle crée son baume de vie régénérant qu'elle applique à l'intérieur, sur et autour d'elle, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps comme un lifting, sans oublier sa chevelure, également son pancréas et tous les organes qui ont été touchés, bien sûr. Oui. Ah, tu le programmes pour être stable, équilibré et pérennisé. Oui. À présent, nous allons revenir sur son ADN. Avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent, j'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectées et combien sont activées. Ah, j'en vois 7 et 6 d'activées. Ok, alors est-ce qu'elle peut activer la 7e? Oui. Allons-y. Oui. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour elle. Ça va déployer des énergies, des nouvelles énergies équilibrantes. C'est fait. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Peux-tu me dire à présent combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance? De 8 à 13 mois. De 8 à 13. Est-ce que tu as des effets rapides et lesquels? Oui, un bien-être général. Un bien-être, une sensation de légèreté et de bien-être. Bien. Est-ce que tu vois des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 8 à 13 mois, plus ou moins, suivant la qualité de ses compréhensions et de ses propres attitudes post-séance? Oui, il y a des phases de stagnation, surtout dans les douleurs corporelles, je dirais. Parce que les anciens repères ne sont plus là, les nouveaux ne sont pas encore installés, donc le mental ego, il se sent en insécurité. Et pour se sécuriser, il va rechercher ce qu'il connaît dans le passé pour le ramener dans le présent. Alors, il suffira bien sûr à Blanche de se souvenir de ce qui a été dit, hein, dans ces moments où il semblera qu'il revienne en arrière, ou qu'elle s'accentue, en se rappelant que dans tout processus d'auto-guérison, c'est souvent ce qui arrive, et en restant confiante et optimiste, elle soutiendra toutes ces parties qui font leur travail et plus courte pourrait être la métabolisation et meilleure en qualité et en profondeur. Oui. Voilà. Et donc, pour adoucir la métabolisation, regarde qu'est-ce que nous pouvons faire pour que sa métabolisation soit plus douce pour elle. Regarde ce qu'il est possible de faire. Des énergies équilibrantes, comme le programme que je viens de rajouter là dans les nouvelles énergies. Ok, alors allons-y. C'est bon. Voilà, tu pourrais faire. Tu vois autre chose qui pourrait être faite pour adoucir sa métabolisation? Non, c'est là, c'est correct. Là, c'est bon. Très bien. Alors, stabilise, sécurise, pérennise, concrétise. C'est-à-dire que je l'ai vu apaisée. Si elle garde cette paix intérieure, là, ce bien-être intérieur, ça va se corréler avec le programme. Bien, parfait. Alors maintenant, pour soutenir toutes les parties de Blanche, on va aller dans le futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie, dans sa meilleure version. Je veux savoir comment elle se sent. Alors, ça pétille, il y a beaucoup de joie, de plaisir à vivre dans ce nouvel état de bien-être. Elle est stable, équilibrée et bien ancrée et à sa juste place. Voilà. Très bien. Alors qu'elle prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Et voir une de déguster. Et elle le ramène ici maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties. Son mental ego, son données mentales, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme, jusque soit supérieure. Oui. Et pour chacune d'elles, ça devient du connu, de nouvelles références, de nouveaux repères, et même des habitudes qu'elle peut programmer, installer et ressentir dès maintenant. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Bien, à présent, on va regarder son domicile. J'aimerais que tu me dises comment tu vois son appartement. Alors, il y a des énergies de basse fréquence en parcimonie et certaines entités démoniaques aussi. Alors, c'était lié d'une part de son ancienne situation énergétique, mais d'autre part, ça vient aussi de l'extérieur. De l'extérieur? Oui, enfin de l'extérieur des autres. Elle n'est pas toute seule. Là, sous le... Ah, des autres occupants. Voilà, ah oui, d'accord.
d'elle, en tout cas, ça vient pas. Voilà. OK. Ou de ce, des visiteurs, etc., quoi, c'est ça? Exact. Ouais. D'accord, OK. Bien, regardez sous-sol, dis-moi si tu vois des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres. Non, il n'y en a pas. Non? Alors, elle va faire une puissante tornade. D'abord, elle va ouvrir toutes les portes, elle va virer tout le monde. 1, 2, 3, on n'en parle plus. Oui. Referme les portes et tu effaces. Oui. Et puis maintenant, elle fait une puissante tornade et elle nettoie tout de fond en comble. Hein. La mémoire des murs également, cave, grenier, garage, s'il y en a, enfin partout, elle sait que c'est nécessaire. Voilà, elle installe partout des fleurs de vie, graines de vie et double muscade activée. Oui. Sur son compteur électrique, on va considérer que c'est un Linky, on n'a pas l'information, on va faire comme si ça l'était. Donc tu vas créer un multicouche que tu programmes. Voilà. Par-dessus, elle installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Oui. Et par-dessus encore, fleur de vie, graine de vie et double de muscade activée et sécurisée. Sur tous les plafonds, elle installe un gros boîtier qui vont filtrer l'air et une nanotechnologie. Oui. Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, régénérant, sécurisé, avec une respiration ample, profonde, aisée et agréable, avec un son et un parfum qui se modulent et on sécurise. Oui. Elle remplit tout son espace de sa présence et de son énergie. Oui. Elle le met dans une bulle cristique de protection, elle également, et les autres occupants, s'ils le veulent, bien sûr. Oui. Voilà. Et donc, maintenant, tu vas programmer les protections des différents états de conscience. Oui. Relier le début et la fin de la séance. Oui. Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version. Oui. Les deux bulles fusionnent et s'expansent. Oui. Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. Oui. À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. Oui. Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle elle peut mettre tout ce qu'elle veut réaliser, manifester, concrétiser. Oui. Voilà. Et par-dessus, donc, fleur de vie, graine de vie, double muscade activée. Oui. Et autour, son corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et en sécurise. Oui. À présent, tu installes une programmation de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation du début jusqu'à la fin, pour chacun, sur tous les plans, tout espace-temps, toute ligne de temps, tout plan de réalité, sur les plans fractales, multidimensionnels et quantiques. Oui. Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ineffluençable. Oui. À présent, elle installe une programmation sur laquelle, lorsqu'il sera le moment de quitter son corps, quelle que soit la ligne de temps, la situation ou son état, elle le quitte en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir pour remonter à la source ou continuer librement son chemin. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tu verbalises un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Et on va demander au sens supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Que la connexion maintenant, elle est libre, directe et sécurisée avec lui. A-t-il des conseils à donner à sa partie physique? Que c'est depuis la partie physique qu'elle active cette connexion par la claire intention et la confiance en ses propres capacités d'activation. Voilà, donc il suffira à Blanche de se souvenir de ce qui a été dit, hein, et surtout, bien sûr, de le mettre en pratique. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle est heureuse avec plein de couleurs chatoyantes. Elle est belle. Et sa partie subliminale? Elle s'est renforcée, sécurisée, proche de la partie physique. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons le saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures uniquement, bien sûr, et dans cette nouvelle version de Blanche en ce jour de renaissance pour elle. Oui. Est-ce que tout le monde a terminé le travail? Oui. Alors, je rappelle que tous les animaux sont invités et chacun est invité à trouver son portail et sa cascade et sous cet eau de très haute fréquence composée de sons, lumières, couleurs, énergie, rayons, parfums, géométrie, informations originelles, etc.
chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui. Dans la cellule mère de chacun, on installe fleur de vie, graine de vie et double muscate activée. Oui. Connecté au chakra cardiaque, au cœur des Gaïa et à la source. Oui. Atome mère également. Oui. Particules de lumière mère, idem. Oui. Et nous terminons par la douche christique, or, diamant et bleu. Oui. Et suivant notre préféchal de mesure, quelle était la fréquence de blanche avant la séance et quelle était la présent? De 48 et maintenant de 177. Alors chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui. Es-tu prête pour le retour? Oui. Alors c'est parti. Et 3, tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou, oui. Ça va Laetitia? Oui, ça va. Bon, à nous donc, tu peux remettre le son Jean. Oui, merci. Bien rentrée Laetitia. Bah, écoutez, merci. Ça me fait vraiment beaucoup de plaisir de faire ça pour ma mère, parce qu'évidemment, comme toutes les mères, elle a fait beaucoup pour moi il y a un peu longtemps, mais pendant beaucoup d'années. Donc, je suis vraiment ravi d'avoir fait ce choix pour elle et je vais continuer encore demain, après-demain, un peu pour le reste de la famille. Et voilà, j'espère vraiment qu'elle pourra maintenant être dans la tranquillité, la sérénité, la joie, la confiance, la sécurité physique, mentale, et profiter encore de plein d'années avec son mari, avec moi, ses petits-enfants. Et on va justement faire mon père, mais dans quelques semaines, dans un mois ou deux. Ouh, donc voilà, une belle aventure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai une question. Demain, après-demain, je crois que c'est avec Emmanuel. Alors, attends. Après... Ah, ça sera hors antenne. Hors antenne, ça. Ah, ok. D'accord. Hein? Bon. D'accord. Voilà. Voilà. Donc, tu lui expliqueras, hein, parce qu'elle parle français ou pas, ta mère? Pardon? Elle parle français, ta mère, ou pas? Elle parle français, mais je ne sais pas si je vais... A priori, je ne pensais pas de partager cela avec elle. Je l'ai juste prévenu que je faisais un soin pour elle, de se mettre au repos cet après-midi. Mais oui. Oh ouais, d'accord, donc, c'est juste pour savoir. Bon, tu après, si tu le publies, si c'est publié dans quelques temps, elle sera peut-être prête pour ce voyage-là, je lui dirai, mais pas à l'état actuel, donc. Mais tu seras obligé de lui traduire alors si elle ne comprend pas vraiment le français. Ah non, son métier c'était prof de français, donc c'est pas la difficulté. Non, c'est pas une difficulté à suivre. C'est juste tout ce monde-là. Ça, elle est peut-être la plus ouverte de la famille à ça, mais il resterait un peu de chemin. Oui. Ouais, mais c'est toi qui décideras, tu verras bien. Hein. Autrement, je verrai, moi. Ces parties supérieures font leur boulot, c'est pas le problème. Hein. Oui. Et merci beaucoup Laetitia que toi tu pars dans les stratosphères. Ça m'a fait plaisir ce que tu m'as dit donc de ce Salvatore, parce que justement ça devrait être un outil de expansion de la conscience. Voilà, ça devrait servir à ça. Et je suis très content. Là j'ai le temps parce que je continue à avoir du temps. C'est ce qui me manque le moins. Et donc j'en profite. Et après il y aura la partie privée. Voilà. Merci beaucoup. Je vous embrasse fort. Bon, voilà. Et nous aussi. Et puis à très bientôt. Au revoir. Hein? Au revoir. Donc, donc on peut la publier en flouté comme tu as dit. Hein? On est bien d'accord. En flouté. Oui, tout à fait. Okay. Merci à toi. Ciao.